Madame, monsieur, bonsoir. Merci, vous pouvez suivre nous, l'OMBC, pour l'information en créole. Nous prenons nous dans Calbas, joindre une femme croise, ou si à mon connu, et fin goutte, ce qui est cuit. Fin, il y a aussi 5 nouveaux nominations hier pour Premier ministre, 4 PPS et député chief government whip. Nous pouvons écouter notre réaction, nos autres nouveaux responsabilités. À suivre aussi, premier sorti, ben, nouveau ministre, Dorine Tchokouri, et Andy Bramdeni, dans la Réunion, hausse l'essence à partir du 1er septembre à cause d'inflation élevée et dans l'Afrique du Sud, un bâtiment prend du feu, 73 personnes trouvent la mort. Quand on vit ou capable, aujourd'hui, nous avons nous joindre une madame entrepreneur, Malvi Poken. La vie pas facile, mais il mange au lit. Nous avons nous joindre dans Calbas. Ça va un petit olive qui pécuit l'eau d'Ifela, je te présente un nouveau la vie plein d'espoir pour Madvi Poken. Sa habitante Calbasla, il crée sa propre entreprise de fruits cristallisés et n'a à peine quelques mois. Et déjà, il peut gagner beaucoup de clients. Je vais faire plusieurs fruits cristallisés, comme mangue, fruitier, papaye, olive, bilimbiron. De bonne santé, je peux montrer ben activité, tout ça là. Et là, je suis allé, je suis participé là-dedans, je suis réussi à faire ça. Et l'entreprise qui pourtant est créée suite à un drame qui n'est pas dans sa famille et n'a des ans d'essai là. Madvi Poken est une femme au foyer quand ce Michel est mort après 8 ans d'alitement avec maladie et qui laisse des enfants à ce charge dans la précarité. L'une vie 22 est difficile et que pendant une année, il n'est pas capable de faire non. Pendant 8 ans, mon monsieur est malade, il recherche place de lui-même. Il n'y a pas de quoi qu'il ait, je recette mon monsieur, je m'en occupe bien. C'est un moment qui m'a passé là, il était beaucoup difficile. Lynn prend son courage à deux mains et que Lynn décide comment se cristallise ban de fruits. Lynn pensait au départ qu'il n'y a pas pour qu'on aucun succès. Première fois, je fais cristalliser, mais je porte ça avec mes voisines et mes camarades proches et une de famille. Je dis comme ça, mais qui fait pas fait de vendre. Les là, moi, j'allais comme ça, mais ils peuvent vendre, hein? Je dis oui, essayez. Aujourd'hui, je veux même faire un business pour moi-même, être mon âme, être mon capacité. Mais je suis pas comme ça pour fier le qui et me fier de moi-même. Mon récit fera un travail là. Comment Madvi Poken, beaucoup madame au foyer, je te retrouve tout seul pour faire vivre votre famille. Ces histoires, ces entrepreneurs-là, ces histoires battantes qui ne capables allier patience et persévérance et qui ne connaissent saisissent la sens dans l'espoir et la vie meilleure. Nommé par le Premier ministre, je peux assumer un nouveau poste et responsabilité à partir d'aujourd'hui. Député hier, PPS aujourd'hui, nouveau défi, nouveau challenge dans la continuité. Sanjit Kumar Nekchedi, Sandra Mayotte, Subhashni Lachman-Roy, Subhya Singh Danu, fin remercier le chef du gouvernement pour la confiance placée dans eux. Je dirais que je peux assurer la continuité, travail qui a démarré en 2019. À nous écouter, en premier aussi, Sanjit Kumar Nekchedi, qui est dans Rodrigue actuellement. D'abord, je remercie le Premier ministre. Bon, remercier tous les collègues du Parlement, du parti. C'est quelque chose qui m'a dédié à tout mon électorat de la circonscription numéro 9 et à ma famille, aussi à mon habitant de la circonscription numéro 10, comme on appelait, à occuper sa décirconscription. Ma priorité, c'est d'abord c'est pour compléter mon travail qui m'a nécessaire fin de commencer, mais aussi à partir de la semaine prochaine, et la bonne rencontre avec mon conseiller village, mon conseiller de district. Parce qu'ils vont penser, moi, c'est 50 personnes-là qui sont plus au courant des problèmes des autres régions, des autres circonscriptions, des autres villages. Je crois qu'ici, si on vit, amène le pays vers la modernité, c'est qu'il nous besoin de travail, amène développement dans tout coin et recoin de l'île. Moi, je suis content, exprime ma reconnaissance envers le Premier ministre qui finit attribuer moi cette nouvelle responsabilité, ce titre de PPS.
pour moi, ce n'est pas juste un titre, mais c'est beaucoup de challenges, beaucoup de responsabilités, tout en restant fidèle à la circonscription numéro 14 que nous avons élue, mais pour maintenant aussi, il y a un nouveau défi pour relever. Et surtout, assure-moi que mon projet qui finit déjà être entamé, ou les autres qui peuvent venir dans les jours à venir, l'y être mené à bon port, l'y être mené à bien. Pour moi, c'est un gros défi qui peut atteindre moi, mais me confiant parce que me connais qui, avec le soutien du Premier ministre, avec le soutien du ministre des Infrastructures publiques, nous pouvons capables, ensemble, réaliser ce même projet, tenir nos bons engagements vis-à-vis de la population. Tout d'abord, je vous dis un grand merci au Premier ministre et surtout mon mandant, la famille qui me supporte moi. Et c'est un sentiment de gratitude qui m'en a aujourd'hui parce que quand même, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travaux, mais la gratitude qui, où Dieu labeur, a été reconnue d'une certaine façon. Et surtout dans mon cheminement, me redialier encore une fois, c'était the next logical step qui, pour donner beaucoup plus d'outils pour mon cas de travail avec mon mandant maintenant. Surtout qui m'ont pour responsable de circonscription 4 et 1. C'est ma nouvelle responsabilité et la confiance du Premier ministre qui me donne moi pour prendre la responsabilité de la circonscription numéro 17 et numéro 6. Et numéro 17, élu là-bas avec mon collègue Steven Obigadou, nous déjà avons fait un travail sur le terrain et que nous avons fait un suivi de projet. Et c'est pour moi l'opportunité aussi de prendre le nouveau challenge aussi avec la nouvelle circonscription. Nous avons besoin de travailler au terrain pareil et de résultats. Autre nomination, Johan Tour, qui occupe à la fonction de député Chief Government Whip, une nouvelle responsabilité qu'il a acquise avec humilité. C'est avec un sentiment d'humilité qui m'ont accepté la nomination du Premier ministre, pour qui d'ailleurs m'exprime mon profonde gratitude quand il fait moi confiance pour lui donner moi sa poste de responsabilité là. Et bien sûr, c'est un poste de responsabilité qui m'ont anticipé, qui surtout nous m'ont à une période d'apprentissage, un cheminement, et qui surtout il a le sentiment de bien faire. M'ont envie de le meilleur de moi-même dans sa poste qui est le poste de député Government Whip. Et compte l'aide de celui qui m'a précédé, c'est-à-dire en l'occurrence l'honorable Kenny Danou, me compte aussi beaucoup sur le soutien de la Chief Whip. Et mon bonne priorité, c'est surtout veiller au bon déroulement des travaux parlementaires. Félicitations à tous mes collègues qui finissent nommés. Je souhaite vous bon courage et bonne chance. Et qui nous reste toujours à l'équipe qui travaille pour servir le peuple. Donc pour lui, différents partenaires secteur privé et public puis joignent pour une séance validation plan stratégique comité observatoire des prix 2023-2026. C'est le nouveau ministre commerce de la protection des consommateurs, Dorine Chokori, qui finit ouvert sur l'atelier validation là, en présence ministre sortant Soudes Kalichen. Lendemain de sa nomination, Dorine Chokori finit faire son premier pas dans Victoria House, siège ministère du commerce Zodi Zedi. À côté de son prédécesseur, Soudes Kalichen, nouvelle ministre commerce et protection des consommateurs finit préside un atelier pour valider le Price Observatory Committee Strategic Plan 2023-2026. Plan stratégique pour permettre à l'Observatoire des prix opère dans un cadre beaucoup plus élevé et suivre les normes et standards internationaux et pour assurer que les produits et les prix restent abordables à tout le monde. Protection des consommateurs, c'est une des priorités de ministre sortant du commerce et de la protection des consommateurs qui financerait, qui travaille pour continuer toujours dans l'intérêt de les Mauriciens. Nous enhance l'application de nos prix et le strategic plan. Lui-même est une recommandation qui peut faire et que nous pouvons implémenter par la suite pour améliorer le système, comme ça nous capable mieux servir les consommateurs du pays. En tant que ministre du commerce sortant, moi, je peux quitter le ministère avec un sens du devoir accompli. Nous faisons prendre des mesures qui visent pour qui. Prix dans le pays de manière différente, commodité pas augmentée. Et là récemment, pour le riz ratio, nous faisons négocier avec le gouvernement indien et en mesure de faire
donne nous une dérogation au Sabana pour supply nous 14 000 métriques tonnes qui représentent 2/3 de nos consommations annuelles. Salatelier a pour servi comme un instrument pour déterminer le prix qui peut afficher dans le marché. Une fois qui cabinet ministériel pour avaliser. Un forum pour les employés du secteur public qui paient à la retraite, fin organisé par le ministère du secteur public en collaboration avec le club Le Flamboyant. L'osso premier sorti, Andjiv Ramdeni, fin dire qu'il est prêt pour continuer le travail, lui dire qu'il peut apporter un changement qui correspond à la vision du premier ministre Pravin Kumar Jagnauth. Il y a plus qu'une centaine d'employés secteur public qui participent dans ce forum qui tient pour thème là, prend retraite sans aucune crainte. Dans des trois mois ou des trois années, ça va un fonctionnaire qui travaille dans différents départements là pour prendre cette retraite. Il faut bien aider les gens qui ont un procès de retraite, qui n'ont pas besoin de payer, qui ont besoin de faire confiance en eux-mêmes, qui, surtout quand ils sont en bonne santé, nous, qui profitent de nous retraitement à plein. Nous finissons d'apprendre beaucoup de affaires, comment nous pouvons meubler nous le temps à la retraite. Et côté la santé, côté sport, côté santé, la santé mentale, nous pouvons faire ben, l'exercice physique, l'exercice cognitif, nous pouvons socialiser, nous pouvons connecter avec le monde, avec la société. Ce forum-là est organisé à l'initiative Club Le Flamboyant, qui regroupe 800 anciens employés services publics. Ce qui nous fait aujourd'hui, là, c'est un privé jeune for retirement, c'est un monde qui n'est pas encore retraité. J'explique d'autres qui problème, hein, pour comment dire, les temps de retraité, ils n'ont pas qu'un seul problème. Par exemple, du côté de la santé, ils nous donnent un advice. Deuxièmement, j'explique d'autres, ça fait finance. Le ministère service public peut envisager une bonne réforme par rapport à bien-être d'un employé qui est toujours dans le service et que ce qui prend retraite. Nouveau ministre service public, Andjiv Ramdeni, fin dit ça. Nous avons besoin de tous nos heads of department, nous avons besoin de syndicats, et les gens pour travailler ensemble pour amener une nouvelle vision. C'est ça. Un forum qui nous vient faire souvent pour montrer nous un grand du monde qui aide le ministère en cours avec eux. Et deuxièmement, le Premier ministre peut faire maximum pour eux de toutes les façons. Ministre Sécurité sociale, Fazila Diwadoriaou, fin révine le ban différents mesures gouvernementales pour protéger ban personnes âgées. Député Rajana Dalia, fin arrêté puis libéré sous caution aujourd'hui après qu'il ait fin interrogé under warning dans l'ICAC, les fins arrêtées dans le cadre de l'attribution NBAI pour un terrain près Grand Bassin. Rajana Dalia fin verse une caution 100 000 roupies et signe une reconnaissance de dette d'un million de roupies. À la fin de son interrogatoire under warning, député Rajana Dalia fin placé en état d'arrestation. Cela dans le cadre de l'enquête de l'attribution NBAI pour un terrain près avec Grand Bassin. Rajana Dalia fin comparaître devant magistrat Chavina Jagnauth en cour district pour lui aux alentours de 13h40, l'ITI représenté par maître Ravi Ratna. Une accusation provisoire trafic d'influence sous l'article 10 Prevention of Corruption Act fin retenir contre lui. La police pas fin objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Rajana Dalia fin bizarre quitte lui d'une caution de 100 000 roupies et signe une reconnaissance d'aide 1 million roupies. Les poubisins aussi remplissent une autre condition la cour, soit pas contacter aucun témoin dans sa cas-là, directement ou indirectement. La police fin aussi demande à la cour pour émettre un prohibition order contre Rajana Dalia, son représentant légal, fin opposé. C'est une chose trafic d'influence, hein, mais là, c'est une chose provisoire, comme on connaît. Il y a un argument, les cinq, la question sur prohibition order, et c'est tout. Et nous laissons CICAC faire ce travail, nous laissons l'institution faire ce travail. L'affaire pour entendu le mardi 5 septembre prochain à 13h30. À nous écoute Astella, une réaction après arrestation du député Rajana Dalia. Avec un premier ministre comme Pravin Kumar Jagnauth, c'est zéro corruption, zéro tolérance. Alors, il y a le judiciaire qui l'enquête possible sur coup, avoir un résultat qui besoin gagner, mais seulement ce qui nous besoin apprécier, ce qui nous besoin fier, c'est qui Pravin Jagnauth, il prend la décision qu'il vient prend, quand il vient prend, quand il vient prend. Et si vous méritez d'être puni, vous punissez. Premier ministre et le gouvernement, ils ne peuvent pas interférer dans l'ICAC ni dans la police. À ce stade-là, la cour va décider ce qu'il vient faire. Là, comment un membre du gouvernement est arrêté, ça, vous trouvez que l'ICAC fonctionnait. Ici, Maurice,
Quand l'opposition a arrêté, il y a beaucoup de tapas. Laisse la justice faire ce cours. Ici, nous sommes un pays de droit. Tout vous accepter quand une question qu'un dimanche fané, il vous a payé. Qui est l'opposition, qui est le gouvernement. La justice, c'est pour tout le monde. Le Premier ministre, lui, il y a un tech. Il n'est pas dans un gérant de la côté de la justice. Nous, Premier ministre Jagnat, il fait ce travail bien. Il peut dans kata kata. Raki, célébré hier à l'évêché, ben membre Brahma Kumari passe un moment de qualité avec Mgr Jean-Michel Durone, une manière de montrer le lien fraternel, l'essence aussi, ça fait là. Football avec ban demi-finale, Thaler, Club M, et n'a rendez-vous avec l'histoire. Le Club M, pour faire face à la Réunion, dans deuxième demi-finale, c'est après un nul et qu'une victoire qui Maurice peut accéder au dernier carré de la compétition. Et n'a aussi un parfum revanche dans l'air. Et ban mauricien derrière le Club M ce soir, plus bonheur, Madagascar, face à Como. Marco Dorza. Il reste sur un sans faute pour l'instant. Il a pris beaucoup d'élan, Marco Dorza. Et il marque. Oh là là, c'est gagné pour la Réunion. La Réunion qui s'impose. Quatre ans après qu'il ait fini perdu contre la Réunion, l'Océan tire au but dans finale 10e jeu des îles devant ce public. Club M finit un nouvel rendez-vous contre même adversaire, mais en demi-finale. Azordi, 8h à soir, Touban Régor pour braquer vers Stade Barea, Côte Poina, seconde demi-finale football. En 2019, nous avons perdu le penalty. Et malgré que Maurice soit à home, je suis un peu déçu. Pour passer aujourd'hui là, pour gagner et nous parler au final. On a apprécié le jeu des îles 2003. Maurice fait bien le faire. On a essayé de trouver un peu de Melisco, peut-être capable soit à NN, soit à Valdien. C'est moi, le gagnant. Dans la surface malgache, superbe but! Ah! L'équipe Afid Razouanav fin démarre sa 11e édition Jeu des îles avec un nul, 1-1 contre pays hôte Madagascar. Des opportunités, avantage aux Mauriciens. Ouh, superbe but! Quel but! Retourné acrobatique d'Aurélien. Pour ce deuxième match de poule, sélection nationale Maurice, il gagne une victoire contre Seychelles 1-0. Zordi contre la Réunion pour demi-finale, Club M pour tirer sa vengeance. En tout cas, même loin, public mauricien pour présent devant la télévision pour encourager nos bannes footballeurs. Tous les jours, m'inquiéter. Parce que nous mauriciens, nous faisons supporter les Maurice. C'est bien de voir tout le monde motiver les mauriciens, derrière les mauriciens, l'ambiance des jeux. Même quand c'est un mal mauricien, un match, on peut faire ce sens de cigare, on peut faire cette fête. Allez, Maurice! Bien content qu'il y ait comme également ce jeu des îles Maurice, qui Maurice fait amener une médaille. Bien content. Et mon courage va en faire un peu plus mieux encore, car il y a un couple là pour nous. Comme je suis allé au tout le monde mauricien avec une médaille, mais je suis vraiment fier parce que mon pays est arrivé. Peu importe dans les catégories, que ce soit l'eau, l'argent, mais pour nous peut gagner. Ou bien à deuxième niveau, premier niveau, mais nous peut remporter. Pour une finale football, samedi 8h à soir, et avant ça, pour un match classement, même jour. De leur talent pour pouvoir sortir. Attention, et le but! Et en athlétisme, Maurice Péconti, sur une jolie performance, sa troisième journée là, c'est tout sport. Cette nouvelle médaille d'eau pour gagner au niveau handisport. Il est ajouté à compter ban mauricien. Nouvelle internationale, au 1er septembre 2023, ban prix carburant dans la Réunion pour augmenter avec une grosse augmentation. Ça fait suite au ban prix mondiaux diesel et du plomb. Et le prix de la bouteille de gaz, il reste 15 euros. L'île sera secouée par augmentation coût de la vie attribuée à une inflation élevée. L'Afrique décide au moins 75 dimonies trouvent la mort, dont 7 enfants, quand un diffé fut déclaré d'un bâtiment l'étage. Diffé là, il commence en bas et propasi jusqu'à là-haut. Nouvelle l'étang Astéen, l'anticyclone sud-mascarin peut maintenir un courant d'air modéré dans nos régions et pour un joli l'étang demain matin, température pour varier entre 15 à 17 l'eau plateau et 19 à 22 degrés l'eau la côte. Dans l'après-midi, pour une abanias qui provient depuis Sud-Est et qui occasionne ban ondée surtout dans l'Est et l'eau plateau central, la mer des hauts pour 2,50 m, marée haute demain et 20 et 13h59
marée basse, 19h35. Demain, c'était 1h54 soleil pour lever 6h18. Merci pour nous suivre. Si vous ne pouvez pas à table, bon appétit.